finalement, en étant Miss France, j'ai déjà commencé à être visible par le grand public. Donc j'ai développé mes réseaux sociaux et ceux-ci ont continué de se développer aussi par la suite. Et puis j'ai décidé de créer mon blog, L'Effervescence, qui parle de mon activité d'étudiante en médecine et qui donne des conseils de santé et de bien-être pour finalement être vraiment une influenceuse. Je choisis de travailler avec certaines marques, notamment les marques qui me ressemblent, qui sont fidèles à mes valeurs, donc pour un meilleur respect de la peau, un meilleur respect de l'environnement, ou des marques que j'utilise aussi au quotidien et qui me plaisent. Donc j'ai travaillé avec plein de marques assez sympathiques ces dernières années, notamment Bioderma, notamment Garnier, c'est mon nouveau partenariat, et je suis aussi engagée caritativement. J'aime beaucoup travailler notamment avec la radio. J'ai toujours apprécié être invitée dans des émissions de radio parce que je trouve que c'est un média dans lequel on peut plus facilement se libérer, avoir une, faire des blagues, avoir une parole plus légère. La télé, j'apprécie, mais pour l'instant, pas plus que ça. Et puis la presse, j'aime bien aussi raconter ma vie dans les interviews.